Un pari fou qui irrite et déstabilise l'Europe. La Grèce se dirige vers un référendum sur le nouveau plan de sauvetage européen. D'après un récent sondage, près de 80% des Grecs dénoncent les contreparties exigées pour l'annulation partielle de la dette publique. Ils y voient un abandon de souveraineté. L'annonce d'un référendum prend toutefois les Grecs de court. Ce n'est pas le bon moment pour un référendum, c'est trop tard. Que veut nous dire Papandréou avec ça, dit cette femme. Papandréou va payer très cher ce référendum, estime cet homme. Confronté à la colère grandissante de la rue contre les mesures d'austérité et à des défections toujours plus nombreuses au sein de son parti socialiste, le Premier ministre Georges Papandréou est en quête de légitimité. Il compte d'ailleurs demander un vote de confiance au Parlement sur le plan d'aide européen. Il pourrait avoir lieu dès vendredi. Un désaveu des députés comme des électeurs conduirait la Grèce tout droit à la faillite et à sortir de la zone euro. Une incertitude qui fait de nouveau planer la menace d'une contagion de la crise.